Il est digne d'honneur, notre roi. Il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Vivre sans bonheur, c'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son possible, qui a tout.
capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu.